Allô, bon début de vlog. Aujourd'hui, on est jeudi. On est le 3 novembre, je crois. Wow, 3 décembre. Premièrement, je fais un update de mes tissus. Là, j'ai un sourire, mais c'est pas parce que je les ai reçus. Je me suis fait appeler par Post Canada avec la personne à qui j'ai parlé il y a 2 semaines qui m'avait réacheminé mon colis ici. Puis finalement, quand c'est arrivé à Mirabel, juste en face de chez moi, le bureau de poste, je le vois d'ici là. Je le vois. C'est arrivé là, en face de chez moi, mes tissus sont arrivés. Ils ont rechippé à l'expéditeur. Mais là, l'expéditeur vient de me rechipper en express. Fait que j'espère que je vais y recevoir comme quand je vais revenir du Saguenay. Parce que là, demain, je descends au Saguenay pour vrai. Fait que je filmerai pas. Allô, mon coucou! Ouais. Fait que là, demain, je filmerai pas vendredi, samedi, dimanche, lundi. Je vais refilmer mardi quand je vais remonter. Ou peut-être que je vais combiner un vlog, genre. Je vais voir, je vais apporter ma caméra, tu sais, j'ai des petits temps pour filmer, peut-être que je ferai genre un vlog de comme toute ma fin de semaine au Saguenay, puis ça va faire comme un vlogmas. Fait que je vais voir, il n'y a rien de sûr. Là, c'est ça, aujourd'hui j'ai beaucoup de commandes à shipper, à paquer et tout, j'ai des commandes à terminer. Aussi, là, je pense qu'on va peut-être aller, je le dirai pas trop fort, se promener avec Milo. Si je le dis trop fort, il va capoter. Là, il est couché là. Oh, il est tellement beau, faut que je vous le montre. Ça, c'est Coco. Puis qu'est-ce que tu fais d'ailleurs, là? On descend. On descend. Il est beau, mon chat. Ouais. Puis ça, c'est Coco Mai. T'es beau, mon cœur. Fait que c'est ça, aujourd'hui, c'est une journée vraiment sombre. Fait quand même froid. Il n'y a pas de neige. 3 décembre, pas de neige. Excuse. Fait que c'est ça. On va sûrement aller, comme je vous disais, puis go with the flow. Aujourd'hui, si j'ai pas grand chose à vous présenter, je pense que je vais vous présenter ma BoxyCharm que j'avais eue du mois de novembre. J'ai comme arrêté sur YouTube de faire mes unboxing BoxyCharm. C'est même pas que ça me tentait plus, c'est juste que je trouvais plus le temps. Comme, puis quand ça me tentait, mettons, pas quand ça me tentait, quand j'avais le temps, ben comme il était rendu trop tard dans le mois puis ça servait à rien de le publier. Fait qu'au pire, pendant les vlogmas, je vais vous montrer mes BoxyCharm que je reçois. Comme là, je vais recevoir la BoxyLux dans le mois de décembre. Je vais vous la montrer. Puis quand je vais avoir des vlogs un petit peu moins longs ou j'ai moins de choses à vous dire, ben je vais vous présenter des BoxyCharm des derniers mois que j'ai eu. Fait que c'est parti pour la journée. On s'en va se promener avec le Milo de Noël. C'est le Grinch de Noël. On va-tu promener, mon chien? Il est tout prêt. Pour petit cœur. Allô, là, il est pas mal plus tard. Mais pas mal. Je veux dire, il est 16h55. C'était vraiment le fun, pour vrai. On est allé se promener. Mais vous avez vu des clips de toute façon, là. Mais Milo, il a full trippé. Puis à un moment donné, il fallait comme passer par-dessus, genre, un petit cours d'eau. Mais, pardon. Mais le cours d'eau était vraiment, genre, sale. C'était comme orange pis tout. C'était vraiment dégueulasse. Il y avait juste une échelle, genre, pour qu'on puisse passer dessus. Puis Milo, il avait peur pour petit cœur, mais finalement, on l'a encouragé, puis il a réussi à le faire comme un grand garçon. Tu sais, on l'a pas poussé rien, là. Il est allé par lui-même. Il était full content, il était là, bravo, bon chien! Vraiment gentil, puis là, il est brûlé. Mais genre, brûlé. Là, j'ai pas encore fait de couture, ni de commande. Oh, je vais vous expliquer de quoi, là. Genre, je suis médicamentée pour le stress, tu sais, je fais plus de crise d'anxiété, mais j'ai encore quand même un tempérament anxieux. Puis à cause du retard de mes tissus, puis tout ça, puis le fait que j'avais pas pu descendre au Saguenay la semaine passée, ça a joué beaucoup comme sur mon angoisse. Puis quand j'angoisse, je lâche tout, je réponds, je touche plus à rien. Comme là, j'ai tout lâché à couture cette semaine, j'ai plus répondu aux messages, j'ai pas répondu à mes clientes, genre,
j'ai vraiment de la misère à gérer le stress côté professionnel, mettons. Mais je suis contente d'être médicamentée parce que sinon ça serait vraiment pire. Mais c'est ça. Là, je me suis mis une heure, je me suis fixé une heure pour ce soir répondre à tous mes messages. Je vais me mettre vraiment dedans à 100%, je vais mettre de la musique pour me relaxer, pour pas que ça me stresse, je vais me détendre. Je vais mettre une petite chandelle, je vais me faire un petit thé, puis je vais faire ça. Puis je vais faire aussi de la couture. Je suis capable, ça va bien aller, mes tissus ont du retard. Mais je suis censée les recevoir la semaine prochaine. Quand je vais revenir ici, ils sont censés être là. Faut que je me dise ça, je vais tout clencher ça, ça va être fit. Je suis capable. Ouf, ça va bien aller. Allô? Oh my god. Je peux même pas vous montrer ce que je suis en train de faire parce que je suis en train de finaliser le surpageage. Et mon dieu, j'allais vous le montrer. Allô, Yab? Là, faut que j'aille emballer. Bonjour Thomas. Faut que j'aille emballer. Je viens de faire la lettre pour mettre dans le swap. Je suis trop contente. Mes feuilles sont tellement belles, là, checker. Ah, je sais pas si on voit bien. Ah oui. Ils sont genre rouge brillant, en tout cas. Full belle. Je les ai trouvées dans mon bac de bricolage. Ben, dans mon bac de journal créatif. Fait que c'est cela. Là, il est rendu. Il est quand même tard, là. Je l'échappe, c'est tendu pour vous parler. Il est 22h37. Mais c'est ça, là, je m'en vais finir dans bas. Vous avez-tu? J'allais vous le montrer, Colin. Je suis bien pas bonne. Hello, c'est le début d'un nouveau vlogmas. Il est quand même assez tard parce que. Oh, plein de péripéties aujourd'hui. Mais premièrement, j'arrive du Saguenay. J'avais oublié ma caméra à Mirabel. Fait que j'ai pas pu filmer de la fin de semaine. Ni mon vendredi quand je suis descendue. Tu sais, je voulais vous faire des petits clips. J'étais censée filmer aujourd'hui toute la journée. Mais c'est ça. Fait que, bref, je m'éparpille là. Je suis un petit peu mêlée parce que j'ai vraiment passé une journée de merde. Deux tickets en une journée. Deux tickets en une journée. Deux. Je vais respirer. C'est ça. C'était vraiment une chance que la route était belle parce que c'était de la merde. Puis là, en plus, hors sujet, là, complètement changé de sujet, ça a vraiment pas rapport, mais j'avais préparé des vlogmas comme le temps que j'étais au Saguenay comme pour avoir de l'avance. Puis il était déjà en ligne, il me restait juste à les mettre public. J'ai mis le vlogmas numéro 6 au lieu du vlogmas numéro 4 à un moment donné. Allô? Allô Gab? T'es plus mêlé que moi? Je ne crois pas. Puis là, aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est ça, il n'y a pas eu de vlogmas. Ben, au moment où vous écoutez ça, moi, pour moi, c'est hier que j'ai pas mis de vlogmas, mais pour vous, c'est comme... Il y a un moment donné qu'il n'y a pas eu de vlogmas, puis c'est ça, c'est parce que j'avais mal prévu ma shot, puis j'avais oublié mon ordi à Mirabel. Fait que j'ai pas pu faire du montage pour publier la vidéo de lundi. Fait que c'est cela. Là, je suis bien contente de revoir mon pitou Milo. Oh oui, je me suis ennuyée de mon chien. Je me suis vraiment ennuyée de mon chien. Milo aussi s'est ennuyé. Il a donné des beaux bisous. Je l'aime, je me suis tellement ennuyée. Oh, et toi aussi. Ah. Il est drôle. Ah! Mais non. Fait que c'est cela. Là, je crois que je vais vous montrer. J'ai reçu une petite commande de cils. J'avais passé une commande, dans le fond, pour les extensions de cils. Parce que si vous savez pas, je suis technicienne en extension de cils puis esthéticienne. J'ai commandé sur Glux Pro. Où j'ai acheté... une colle à l'ananas. J'ai bien hâte d'essayer ça. C'est une 5 ml. J'ai bien hâte d'essayer. Là, je l'ouvre pas. Mais regardez comment les packages sont trop beaux. C'est pas la première fois que je commande là. J'adore. Ensuite, j'ai commandé mon primer que j'aime vraiment beaucoup, que je prends souvent. C'est celui-là aux bananes de Lux Pro encore. Et j'ai commandé le Speed Up Curing Solution. Dans le fond, c'est pour accélérer le processus de séchage de la colle. Parce que je suis quand même rapide. Puis ma colle, je trouve qu'elle sèche pas assez vite. Fait que c'était ma petite commande. Puis là, j'ai comme plein de choses à vous dire. Mais je pense que je vais juste à me calmer un peu puis je vous repars. Ce sera pas long. Bon, là, je vous repars. Péripétie des tissus. Je les ai enfin reçus, mais en double. Quand je suis descendue vendredi à Québec, j'ai eu comme un texte de la nouvelle locataire qui est dans notre ancien appartement qui me disait que j'avais un colis à mon nom, à mon ancienne adresse. Fait que là,
j'étais allée chercher, c'était mis dessus. Oui. Puis là, aujourd'hui, quand, avant que j'arrive, il y a quelqu'un qui est venu cogner. C'était FedEx encore, puis c'était mis dessus. En double. Fait que là, je m'en vais les chercher, vu que j'étais pas là, j'avais des frais de douane. Fait que là, moi pis Tom, on s'en va les chercher, parce que moi, je suis tannée de conduire. Après mon 5 heures de route, c'est temps que ce soit pas moi qui conduise. Fait que Tom, il est fin. Il a voulu conduire avec moi pour aller chercher mon colis chez FedEx. Ben, à FedEx. Fait que là, je vais pouvoir vous montrer mes tissus de Noël. Je suis tellement contente. Ça fait un petit plus dans ma journée de merde. Salut, je vous reparle, il est plus tard, j'étais en FaceTime avec Jade. Parce que m'en va ouvrir le soir. Parce qu'elle, elle l'a déjà ouvert. On se l'est donné. C'est-tu samedi ou dimanche? C'est samedi qu'on se l'est donné? Ouais, c'est samedi. On se l'est donné samedi, dans le fond, j'étais allée lui porter son swap. Puis là, c'est ça, là, c'est à mon tour d'ouvrir le mien. J'avais tellement d'arriver chez moi pour l'ouvrir. Moi aussi, je passais ça tout le matin. Hein? Ah! Hey, j'étais en montant, je vous parle, puis je parle à Jean dans le même temps, là, mais genre, j'étais en montant dans le, ben, toute la route, là, puis j'étais là, oh my god. Là, quand j'ai pogné mon ticket, ma seule motivation, c'était genre, swap. Oh ouais. Je te jure, là, j'étais juste en train de penser, genre, ok, j'ai juste hâte de le swap. Ça va juste être positif dans la journée, oui. Ça va te remettre le sourire. Vraiment. Fait que là, c'est ça, je vais vous parler après le swap, parce que là, je m'en vais le filmer. Allô, là je vous reparle, il est plus tard, j'ai fait charger ma caméra un peu parce que quand j'ai eu fini de filmer le swap, il n'y avait plus beaucoup de piles parce que ça a vraiment duré longtemps. Puis là, sneak peek, en fait non pas un sneak peek parce qu'au moment où je vous parle, moi je viens de filmer le swap mais vous allez le voir avant que je publie cette vidéo-là de Vlogmas. Probablement qu'on va publier le swap, pas demain mais après demain, donc jeudi là... 10 novembre, je crois, pour vous. Fait que, je suis trop contente. Puis là, regardez, j'utilise mes cadeaux. Mon nouveau pyjama. Ma belle doudou. Mon petit tabouret. Fait que je suis vraiment contente. J'aime tellement Jade. Mon Dieu, je l'aime. C'était tellement le fun de faire le swap avec elle, pour vrai, là. Je capote. Puis là, je vais vous mettre là-dessus. Oh, cool, ça marche. Je crois que je vais vous montrer les tissus. Justement, je vous avais pas reparlé, mais on est allé chercher mon deuxième colis de tissus tantôt. Fait que je les ai vraiment reçus en double. Je suis bien contente. Fait que je vais vous les montrer. J'ai les autres, dans le fond, sont déjà déballés, mais ils sont déjà toutes coupées, des trucs comme ça. Mais là, je vais vous les montrer vraiment pas coupés et à quel point ils sont trop, trop beaux. Il y a rien pour toi, mon bébé. Oh my god, sneak peek! Ah, oh, je capote. Je suis vraiment contente. Là, demain, ça, je vais vraiment mettre en mode couture. En passant, genre le dessus, mon pyjama est tellement doux. Je tripe bien raide. Ok. Ok. C'est la petite carte qui vient avec. Ah. Bon, je vais vous montrer les tissus. Non, ils sont tellement trop beaux pour vrai. Là, ils sont vraiment de qualité. Je suis trop contente. Ils sont en retard, mais ça a valu la peine. Fait que ça, c'est le premier tissu. C'est des petites beignes. Ils sont vraiment mignons. Ensuite, j'ai les orignaux comme ça. Ça, c'est vraiment beau. Tu sais, ça fait pas trop Noël. Fait que ça fait que, mettons, on peut le mettre à l'année. Ensuite, il y a les pères Noël comme ça. De même, regarde. Ils sont beaux, hein? Ensuite, ça c'est mon préféré. Je vais probablement en faire un Milo avec un côté comme ça. C'est des petits autos. Mais comme qu'on avait tout quand on était jeune avec un sapin dessus. Ensuite, ça aussi fait pas trop Noël, fait que c'est le fun. C'est comme des petits ours, là, des trucs de forêt. Fait que super beau. Lui, il est vraiment très populaire. C'est des petits os cadeaux comme ça. Lui aussi très très populaire. Comme ça. Les petits pains d'épices. Et le dernier, c'est des petits lamas de Noël. Fait que je suis trop contente. Ça, c'est mes petits tissus pour la collection de Noël. Ça a pris du temps à les recevoir, mais coudonc, demain, je vais m'y mettre. Demain puis jeudi, je fais de la couture toute la
la journée pour clencher le plus de commandes possible. En fait, pour clencher toutes les commandes de Noël. Tout. Puis je veux shipper toutes les commandes vendredi. Fait que c'est 3-5 jours ouvrables. Fait que normalement, tout devrait avoir Noël. Avant Noël. Mon Dieu, je perds mes mots. Fait que c'est ça. Je suis bien contente de mon petit setup. Grâce à Jade. Puis là. J'avais soif. Fait que là, c'est ça. Je vais vous reparler plus tard. Là, il est déjà 22h26. Mais c'est ça. Je prends ça relax quand même ce soir. J'ai pas l'intention de me coucher. Tu sais, je suis quand même fatiguée, mais j'ai pas l'intention de me coucher. Bientôt, je vais prendre ça relax chez moi. Je suis arrivée aujourd'hui. Fait que tu sais, là, je suis dans mes affaires. Puis, je fais ma petite routine un petit peu. Je reprends le beat. Oh, ça sera pas long, le Milo. Il a envie de faire pipi. Fait que je vais aller ouvrir. Mais c'est ça, je reprends le beat tranquillement. Fait que voilà, je vous reparle tantôt. J'ai tellement la peau sèche à cause du changement de température, pis genre pas juste mon visage là. J'ai la peau déshydratée en fait. Genre tout ici là, je suis toute sèche, mes bras aussi, mes jambes comme ça le fait pas. Fait que là, je voulais me faire un masque à l'argile, mais non. Comme j'ai plus aucun bouton, c'est juste des cicatrices, j'ai plus de boutons du tout. Je vais croiser mes doigts quand même là, je vais toucher du bois pour pas en avoir. D'autres demain quand je vais me lever, mais je vais me faire un petit masque. Je pense que je vais me faire un masque hydratant. Je crois que je vais faire le masque de chez Sephora, masque crème banane. Je l'aime vraiment beaucoup, puis je pense qu'il m'en reste pour une ou deux fois. Ah, plus qu'une fois. Fait que je l'aime, puis après ça, ma peau va être toute douce. Ça va vraiment faire du bien, puis elle va moins tirailler. Fait que je me fais ça. Bouh. C'est pas super chic, mon masque. Oh my god. Mais pour vrai, je vous le recommande vraiment, les petits masques de chez... Oh! Ok, les petits masques de chez Sephora, comme ça, je pense qu'ils sont juste 10$. Fait que ça vaut vraiment la peine. Puis j'en ai depuis longtemps, là. Tu sais, je me le fais pas. C'est pas le masque que je fais tout le temps, justement, vu qu'il est plus petit. Je l'économise. Je le fais juste quand j'en ai vraiment besoin. Mais ça vaut la peine, là. Tu sais, j'en prends moins que c'est. Ils disent d'en prendre. Tu sais, eux, ils veulent faire un maximum d'argent. Fait qu'ils vont te dire d'en prendre full pour que tu le prennes full vite, là. Mais comme t'en as vraiment pas besoin de beaucoup, là, je n'ai pas tant mis, puis ça fait vraiment bien la job. Oh, je m'ennuyais de mon petit bébé blanc. Je peux pas trop te coller la tête, parce que mon masque va coller dans son poil, mais je m'ennuyais full. Fait que là, c'est ça. Je vais nourrir mon petit cœur. Mon petit cœur, parce que Milo, il a tout mangé sa bouffe. Oh, bébé. On va nourrir le chat. Bon. Bon, ok. Là, je vais continuer d'écouter les vlogmas de mon amie Jade, justement avec celle avec qui j'ai fait un swap, parce que j'avais pris du retard vu que j'ai travaillé en fin de semaine puis j'avais oublié mon ordi. J'ai vraiment pas eu le temps d'écouter les vlogmas de tout le monde qui avait sorti. Fait que là, je vais continuer d'écouter les vlogmas de Jade. Après ça, je vais sûrement écouter ceux-là de Flo, puis j'écoute aussi ceux-là d'Alexandra Larouche. Fait que pourquoi tu me regardes de même, toi? Je sens quoi? Je sens quoi? Sens-tu bon? Les bananes. Petit bol de yogourt. J'ai rajouté des fruits et il y a des céréales dans le fond. Fait que, ouais, c'est ça. Je m'en vais. Milo, regarde. C'est ça, en faisant soit un petit peu de montage, soit écouter des vidéos. Bon. Là, mes cheveux commencent à sécher. Puis je les ai pas brossés avant. Fait qu'ils sont genre toutes fluffy. Ils sont vraiment doux à cause des produits Kerastase. D'ailleurs, je vais vous faire. Demain probablement, ou peut-être après-demain, je vais vous montrer ma routine de produits pour les cheveux que je fais. Fait que c'est cela. Là, je crois que je vais arrêter le vlog ici. J'ai enlevé mon piercing juste pour ce soir parce que il me donnait mal un petit peu en tout l'avant. Fait que je vais le remettre demain, ça va me faire du bien. Vraiment random. Mais c'est ça, j'allais dire que je vais arrêter le vlog. Mon Dieu, j'allais dire un petit peu ça. Ça va plus, le gros journée, je vous jure, gros journée. Fait que c'est ça, je vais arrêter le vlog ici. J'espère que vous avez aimé, même si j'ai commencé le vlog un petit peu tard. J'avais quand même beaucoup de choses à vous dire. Fait que nous, ben, on va se voir demain.
Puis, c'est ça. En attendant demain, ben, bye bye, prenez soin de vous.